Je t'avais dit que c'était là. T'es sûr que c'est ce que t'as vu tomber du ciel? Sûr et certain, j'ai suivi la fumée pour arriver jusqu'ici. La fumée dans le ciel, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Et puis, en même temps, j'ai essayé de prévenir mes parents, mais ils se sont moqués de moi en me disant que j'avais vraiment une imagination. C'est vrai que t'es plutôt doué pour inventer des histoires. Tu penses qu'on devrait prévenir la police? Non mais t'es complètement dingue. Si on prévient la police, ils vont venir et on pourra pas savoir ce que c'est. Moi, je veux trop savoir ce qu'il y a là-dedans. Ça se fait, c'est juste un débris de l'espace qui est tombé. Si ce serait tombé sur quelqu'un, le carnage total. Tu sais quoi? Moi, je vais aller voir ce que c'est. Attends-moi. C'est moi qui l'ai trouvé, hein, en plus. C'est encore chaud. Aïe! Fais attention, on sait même pas de quelle origine c'est. Ça se fait, ça vient d'une autre planète. C'est peut-être un truc que les aliens, ils ont jeté sur la Terre. Oh, ça se fait, t'es contaminé, tu vas devenir un super alien ou tu vas avoir des super pouvoirs comme Spider-Man. C'est quoi ça encore, Spider-Man? Laisse tomber, t'as trouvé quelque chose ou pas? Je sais pas trop, il y a un truc juste là. Attends, je récupère. C'est quoi? On dirait une sorte de radio portative ou quelque chose comme ça, ou un truc de communication. Il y a des lumières qui s'affichent quand j'appuie sur les boutons, mais il y a rien qui se passe, il y a aucun bruit. T'es sûr que c'est une radio? Si c'en est une, je crois qu'elle est cassée. Cet objet est tombé du ciel, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit cassée. Mais c'est quand même incroyable qu'elle émette encore de la lumière sur les boutons. Elle devrait être totalement détruite. La hauteur était vraiment grande, donc pour moi, ça devrait être complètement cassé. Imagine, cette chose, elle vaut beaucoup d'argent. Oh, c'est peut-être une technologie vraiment très très recherchée ou quelque chose comme ça. Ça se fait, c'est les militaires qui l'ont envoyé ou quelque chose comme ça, ou qui fait des tests. Je sais pas trop, mais moi je pense qu'on devrait le garder. Tu ne penses pas plutôt qu'on devrait le ramener aux autorités compétentes? Je suis pas très à l'aise avec l'idée de prendre cette chose. C'est bon, cette chose c'est juste une radio, c'est tout. Mais on va pas en faire tout un plat. Et puis de toute manière, même tes parents, ils t'ont pas cru. Qu'est-ce que tu veux que la police te croie? Tu vas leur dire quoi? Écoutez, monsieur, madame, la gendarme, il y a un truc qui est tombé du ciel. Regardez, c'est une radio et elle marche encore. Elle a fait un saut, un bond de 3 km dans l'air, mais elle fonctionne toujours. T'as pas vraiment tort, mais si ça ne fonctionne pas, à quoi ça te sert? Mon grand frère, il va revenir de son voyage scolaire la semaine prochaine. D'ici là, quand il reviendra, je lui montrerai cet appareil. Et il s'y connaît super bien, il aime bien toucher à tout ce qui est électrique, mécanique, bricolage. Il peut peut-être le réparer. Désolé de t'avoir emmené ici, je pensais vraiment qu'il y aurait des choses plus intéressantes à voir qu'un tas de débris par terre et puis une sorte de radio qui ne marche pas. Ne t'en fais pas, je me suis bien amusée, moi j'aime bien faire des découvertes, et puis ça m'intrigue cette radio, de savoir un petit peu d'où elle vient. Peut-être que si mon grand frère ouvre l'intérieur, il y aura peut-être marqué où elle a été fabriquée. On devrait peut-être rentrer, il commence à faire nuit, et puis nos parents vont s'inquiéter. Et puis c'est pas comme si on était super près de Brookhaven, là, il faut vraiment qu'on rentre. On reprend nos vélos et on y va. Inès? Inès, qu'est-ce que tu fais? Ça fait déjà au moins une demi-heure que tu devrais déjà être prête à aller dormir. Demain, tu vas à l'école. On est en pleine semaine, ce n'est pas le week-end. Oui, c'est bon maman, je suis aux toilettes. Je suis constipée, je crois. Si tu veux, il y a des prunes dans le frigo. Non, bah écoute, c'est bon, le fait de t'entendre, c'est bon, c'est passé. Merci maman. C'est quoi ces bruits là? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, je vais me cacher sous ma couette. Il est quelle heure? Il est minuit pile? Est-ce que je suis en train de faire un cauchemar? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais voir d'où proviennent ces bruits. J'ai l'impression que ça vient de là-haut dans la salle de bain peut-être? Non, ça ne vient pas de là, ça vient plutôt de là. De mon dressing? C'est les vêtements que je portais tout à l'heure. C'est la radio? J'espérais vraiment que les bruits viennent de la télé ou de l'extérieur, mais... Cette radio ne devrait pas fonctionner, mais c'est quoi ces bruits? Allô? Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi ça? On ne voit pas ici. Il n'y a pas assez d'espace sous mon lit pour que je puisse me cacher. Oh, les bruits se sont arrêtés. Je crois que c'est bon. C'est sûrement la radio qui a bugué.
Elle a bugué, je vais la laisser dans le dressing. Demain, je vais appeler Nicolas et je vais lui demander de prendre cette radio de chez moi. Je veux plus la toucher, elle est maudite ou je sais pas quoi. Elle a prononcé mon prénom. Donc même si elle bug, pourquoi, comme de par hasard, dans le bug, elle aurait prononcé mon prénom? Je vais aller dormir sur le canapé. Je dors pas ici, dans cette pièce, à côté de cette radio. Tu dis que cette radio s'est mise en marche cette nuit à minuit? Oui, mais pourquoi tu ne me crois pas? Je te dis qu'elle s'est allumée, et je l'ai même jetée dans mon dressing. En partant, en courant, et j'ai dormi dans le canapé toute la nuit parce que je n'osais pas remonter. C'est impossible que cette radio ait fonctionné, et puis même si elle aurait fonctionné, comme tu dis, suite à un bug ou quelque chose comme ça, pourquoi elle aurait prononcé ton prénom? C'est tout bonnement impossible. Écoute, si tu ne me crois pas, garde cette radio dans ta chambre, et vraiment, j'espère qu'elle est genounée, comme ça cette nuit tu vas te chier dessus mon gars. Quoi? Non mais ça va pas, si cette chose elle est vraiment maudite, jamais de la vie je la ramène chez moi. Bah alors, on se dégonfle. Imaginons que tu dis vrai, et que cette radio aurait réellement prononcé ton prénom. Pourquoi elle aurait fait ça? Je comprends pas, c'est quoi le but? Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Vraiment, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais, soit tu prends cette radio chez toi, soit je la détruis, je la jette dans une poubelle, loin de chez moi. Quoi? Non, mais ça t'intrigue pas de savoir? Ça se fait, je sais pas, il y a un truc derrière. Pourquoi t'as peur? Ça se fait, c'est pas... Ça se fait, c'est quelqu'un qui voulait juste te parler, j'en sais rien moi. Comment ça me parler? Je sais pas, c'est qui aurait pu me parler? Qui sait que j'ai cette radio à part toi? Attends, ne me dis pas que tu es en train de me faire un prank. C'est toi qui as mis cette radio à cet endroit-là pour me faire peur la nuit. Non, jamais de la vie je ferais ça. Je t'ai jamais fait un truc pareil. C'est trop, et puis moi à minuit, je dors. Je sais pas que ça a à faire que t'appeler sur une radio. Ok, mais on fait quoi là maintenant avec cette chose? Tu as dit qu'elle s'était allumée à minuit pile, c'est qu'il doit certainement y avoir une raison, peut-être, je sais pas, les fréquences se connectent à minuit, j'en sais rien, je m'y connais pas trop, mais si tu veux, on peut essayer de rester ensemble à minuit pour voir si elle va refaire la même chose ou pas. C'est pas bête ça, tu me laisses juste un instant, je vais demander à ma mère si tu peux rester. Maman! Maman, est-ce que Nicolas, il peut rester ce soir à la maison? Et puis quoi encore? Je ne souhaite pas devenir grand-mère à mon âge, je suis bien trop jeune. Maman, tu sais très bien que Nicolas, c'est mon meilleur ami, on n'est absolument pas en couple, Burke. C'est ce que j'avais dit à mes parents avant de t'avoir. Mais qu'est-ce que tu fais là? On dirait une petite fourmi qui agonise par terre. Mais t'es en train de faire quoi là? Ça ne se voit pas, je fais des exercices, Massy, tu devrais en faire aussi. Ça tonifierait ton corps. Et tu fais ça en mettant des vidéos de chats à la télévision. Il faut bien que quelque chose me motive. S'il te plaît, maman, est-ce qu'il peut rester cette nuit au moins jusqu'à, je sais pas moi, 1h du matin? On dort pas et tout, y a pas de problème. Et à 1h du matin, il repart chez lui. Je suis désolée, Inès, mais c'est un non. C'est qui va le ramener à 1h du matin chez lui? Certainement pas moi, et ne va pas rentrer tout ça, c'est bien trop dangereux. Donc c'est non, Inès, si tu veux, il peut rester cet après-midi, mais pas plus. C'est bon là, t'es vraiment trop nulle. Les joies d'être parent. Alors, il s'est passé quelque chose avec la radio pendant que je n'étais pas là? Oui, elle s'est allumée et j'ai parlé avec quelqu'un. Quoi? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, Nicolas, je suis le démon de la radio et je tiens à te dire que tu as vraiment une beauté maléfique. Ok, merci beaucoup, ça m'a fait vraiment rigoler. Bon, à part ça, ma mère, elle est pas d'accord que tu restes cette nuit. Elle est d'accord que tu restes l'après-midi. Mais j'ai un plan. On fait le mur, d'accord? Et on se rejoint, je sais pas moi... On se rejoint dans l'ancien hôpital désaffecté. Là-haut, au moins, on sera tranquille et personne ne nous verra. Tu es sûre de vouloir fuguer de chez toi pour cette nuit? Moi, mes parents, ils s'en moquent un petit peu. J'ai un peu le droit de faire ce que je veux. Mais toi, tu serais punie à vie. C'est pas grave, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec cette radio. Tu m'as donné cette curiosité malsaine et maintenant je veux aller jusqu'au bout. Bon d'accord, on se rejoindra sur place alors, à quelle heure? Faut pas que ce soit trop tôt parce que sinon ma mère elle dormira pas encore, mais pas trop tard parce qu'il faut pas qu'on rate le coche de minuit pour savoir si la radio va se rallumer ou pas. Moi je propose 23h30 sur place, ça devrait aller, ma mère elle devrait aller se coucher vers 22h, 22h30, le temps qu'elle s'endorme, vers 23h15. Je peux partir de chez moi et en vélo j'en ai peut-être pour 10 minutes. C'est bon pour toi?
Ok, on fait comme ça, mais tu sais, je te laisse la radio en attendant. Je préfère que ce soit toi qui la ramène. Tiens. Merci. Enfin, si je puis le dire, parce que t'es pas vraiment galant, toi. Je vais rentrer chez moi. Comme ça, si je passe un petit peu de temps avec ma famille, elle me dira rien pour cette nuit. A plus, Inès. Ouais, c'est ça, Nicolas. À tout à l'heure. Je vois le vélo de Nico, ça veut dire qu'il est déjà là. Bah trop bien. Je voulais pas arriver en première. Il est là le passage. Faut que je fasse juste attention de ne pas me couper en entrant. Nico, mais qu'est-ce que t'as fabriqué ? T'aimes pas ? Moi je trouve ça plutôt cool. Comme j'avais du temps devant moi et je m'ennuie là un peu, j'ai un petit peu pris les trucs de chez ma mère et ses décos et puis je me suis dit on va faire une petite ambiance cocooning, une petite ambiance cosy pour faire ce qu'on a à faire. On dirait qu'on s'apprête à faire un rite satanique, tu rigoles ou quoi ? Quoi ? Non, mais imagine cette pièce sans ses lumières, ce serait vachement glauque. Là au moins, regarde, moi j'aime bien. Bref, c'est pas grave, on va faire avec ça. Hein, c'est vrai que au moins ça donne de la lumière. Il est quelle heure ? Il est moins le quart. Je peux déjà sortir la radio ? Ouais. En tout cas, jusque maintenant, elle a émis aucun son, aucun bruit. Ok, on n'a plus qu'à attendre. Ah bah tiens, ça y est, il est minuit et ta radio, elle marche pas. Tu m'as arnaqué. Franchement, je pensais qu'il allait vraiment se passer un truc. C'est vrai que je suis un petit peu déçue, un peu comme toi, mais d'un côté, je me dis... Au moins, j'ai peut-être fait un cauchemar, j'ai peut-être halluciné et il s'est rien passé. On est là dans cet hôpital abandonné, tout seul comme des clampins, et on attend qu'une radio qui ne devrait pas fonctionner fonctionne. On est, je crois, parti un petit peu en cacahuète. Je suis désolée, Nico, mais franchement, moi, je suis contente. Je pense que maintenant, on devrait rentrer chez nous et en chemin, je sais pas si on remet la radio à sa place ou on la jette. Est-ce que ça vient de la radio ? Oui, ça vient de la radio, je comprends pas. Tu avais raison. Tu avais raison, je suis désolée, je t'ai pas cru. D'accord, mais on fait quoi maintenant ? Je sais pas, on devrait peut-être écouter les sons qui proviennent de cette radio. C'est incompréhensible, je comprends rien. La dernière fois, ce truc avait dit mon prénom, mais là, je sais pas. Tu as entendu ? Quoi ? Oui, j'entends le son qui vient de la radio. Jenny, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Jenny, elle est pas là. Ok, je sais que c'est ta petite sœur, mais elle est morte il y a 2 ans. Elle ne peut pas être là. Si, je l'entends et ça vient de là-haut, du fond de l'hôpital. Mais Nico, moi j'entends rien, il y a juste le son qui vient de la radio. Tu dois halluciner, je sais pas. Non, c'est bien, Jenny, que j'ai entendu. S'il te plaît, Nico, reste avec moi, n'y va pas, on sait pas ce que c'est, mais c'est pas ta sœur. J'ai tellement peur et j'ai tellement froid. Viens m'aider. Oui, Jenny, j'arrive, bouge pas. Nico, non, reste avec moi, n'y va pas. Ça va pas. Non, reviens. Jenny, où est-ce que tu es ? C'est un cul-de-sac. Mais il n'y a rien ici. Mais sa voix, elle provenait d'ici. Jenny, est-ce que tu es là ? Jenny ? Je n'aurais peut-être pas dû laisser Inès toute seule. Inès, est-ce que t'es là ? Inès, elle est passée où ? Pourquoi elle a laissé la radio ici ? Je pense qu'elle a dû s'enfuir, elle a dû prendre peur en même temps, c'est normal. Mais c'est bizarre, il n'y a plus aucun son, il n'y a plus rien. Peut-être que la radio ne fonctionne plus. Je vais la garder avec moi. Je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais la garder en attendant de savoir qu'est-ce qu'elle va me dire de faire avec demain, Inès. Je sais pas quoi en faire. Je devrais peut-être rentrer chez moi. C'est beaucoup pour une nuit, là.
Ils ont prévu de construire une maison ici. Les travaux de fondation devraient commencer demain. Je le sais, c'est mon père qui travaille sur ce chantier. Ce serait peut-être une bonne idée que j'y enterre la radio, comme ça on n'en entend plus parler. Et je pense que ce serait une bonne idée. Inès approuverait si elle était là. Je pense qu'elle veut vraiment s'en débarrasser. Elle s'enfuit, elle l'a laissée sur place. Je vais essayer de trouver une pelle sur le chantier et creuser un trou. Et voilà, plus qu'à enterrer cette radio maudite. C'est Inès qui va être contente demain quand je vais lui dire que je m'en suis débarrassée. Je vais rentrer chez moi, je vais prendre une bonne douche et je vais aller dormir. Et je sais pas, j'ai dû dérailler. Je pense que cette radio, en plus d'être maudite, ou je pense qu'elle doit émaner peut-être, je sais pas moi, des ondes radioactives qui m'ont grillé des cellules de mon cerveau et c'est ça qui m'a fait imaginer que j'entendais ma sœur morte. C'est obligé, c'est ça. Je vois pas d'autre explication. Ça y est, je peux aller dormir. J'ai hâte de le raconter à Inès demain. Nico, est-ce que tu es là? Il fait tellement froid et sombre ici. Je crois que je suis bloquée dans la radio. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Nico. Nico!